C'est en présence du maire de la commune de Cocody, Monsieur Ngoa Akamathias, et ses collaborateurs que s'est tenue l'Assemblée générale de la Fédération des associations des retraités de Cocody, en abrégé FARCO. Cette assemblée s'est tenue au musée de Cocody le 28 juillet dernier. Les membres de cette fédération ont élu leur nouveau bureau, dont le président est Monsieur Sébine Etienne, cadre retraité de Fraternité Matin. Pour le président, cette association permettra aux retraités de mettre leur savoir-faire et leurs compétences au service de la société. Chers collègues, nous venons de réaliser le rêve que nous paraissions depuis un certain moment. C'est-à-dire, la plateforme des retraités au plus haut sommet. Et désormais, nous avons voix au chapitre dans cette municipalité, grâce à la mansuétude et à la clairvoyance de ce vagabond de charité, ce grand homme de partage, cet homme au service de l'homme. J'ai nommé Ngoa Akamathias, maire de la commune de Cocody. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je profite de cet instant pour vous exprimer mon infinie reconnaissance de ce que vous venez de porter votre choix sur ma modeste personne pour conduire la fédération que vous venez de mettre sur place. Soyez tous debout et prêts à m'aider à relever ce défi, celui de l'assistance et du développement du retraité. Quant au maire Ngoa Akamathias, il n'est pas resté en marge de cet événement. Il a tenu à féliciter l'association pour cette initiative et leur accorde ainsi une subvention afin de les aider dans leurs actions et leur entreprise. Les retraités, c'est aussi un groupement d'anciennes expertises. Et la mairie pourra avoir besoin pour nous, pour la mairie. Parce que nous allons travailler pour la même chose, pour le même objectif, le développement du Cocody, la modernisation du Cocody, faire en sorte que la population du Cocody se retrouve dans un cadre de vie agréable. Enfin, la fédération, par la voix de son président, a remercié le maire pour son soutien.